Bonsoir YouTube. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour le dernier épisode normalement de Timberborn. La souffrance, je pense, c'est un bon résumé de ce que nous vivons. Ça résume quoi. Voilà. Ça résume bien. Efficacement. Et là, un petit lot d'arbres qui survit. C'est une catastrophe, hein. C'est vraiment... C'est dur. Ça robotise? Ça robotise. Ouais, les robots ont pris le pouvoir, hein. C'est... Ou tout du moins considérer que c'est en cours. On a alimenté au max par contre, bon, c'est le côté positif. Bon, il est dur ce trauma. Hein. Il est très très dur. Ah et en plus lui il est fermé. Ouais, vas-y ouvre, hein. Ouvre les vannes. Hein. Vas-y vide, hein. Vide et dévide. Hein. Y a rien d'autre à faire. Hein. On n'arrive pas à passer ce volume de flotte, hein. C'est vraiment... c'est insupportable à un niveau. Je vais dynamiter ça pour l'agrandir un poil, ce qui est prévu, normalement, bon... ça sera pas tout de suite, visiblement. Parce qu'évidemment, on est en cours TNT tout le temps. On est en rad dans TNT. Celle-ci est importante. Et j'aimerais bien que celle-ci le soit aussi. Ça y est, ça refoule. Ça refoule par là. Je vais finir par me demander si mon problème, c'est pas la géographie du terrain. C'est-à-dire qu'il considère que l'eau monte ici et, non pas descend naturellement. Et que c'est ici pour lui le chemin le plus court de l'eau. Terminé. Et que de toute façon on sera condamné à ce que ça déborde tout le temps à cause de cette physique. Cette physique pour laquelle bah, on malheureusement ne peut rien faire. Donc si le jeu il a décidé que c'était comme ça, bah c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et là on sera bien marron quoi. On va se positionner ça ici. On va se mettre... Voilà. Comme ça, ils pourront tirer gentiment un petit peu de route, voilà, comme ça, très joli, du plus bel effet, évidemment. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je me mets là en hauteur par rapport à notre industrie, mais je pourrais tout à fait... ne pas faire ça et justement plutôt mettre en contrebas. On va plutôt faire ça, ouais. Ouais. Ah ouais, mais je pars déjà avec cette plateforme surélevée. Je vois la problématique qui se pose. On va quand même se mettre à ce niveau là. Simplement pour si je veux construire des industries ici à coller à toute la mécanique directement sur le fleuve, ça passe quoi. Les eaux de la vie arrivent enfin. De nouveau le retour. Putain, insupportable ce qu'on a souffert. Thank you.
Ok, très bien. On va monter la priorité de cela. Voilà. Et on va aller voir. Voilà, cela. Cela, c'est. Ok. On rajoute un ou deux? Deux écluses? Alors si je me rajoute deux écluses, faut que je saute celui-là. De toute façon, je crois que personne ne peut les atteindre, ces trois dynamites-là, si. Ah si, ah, celle-là est un peu loin. Ah, celle-ci est un peu loin. C'est bon, tout est à portée. Tout est à portée, c'est magnifique. C'est pas joli, hein. Parce que là, du coup, c'est que de l'eau empoisonnée jusqu'à que la terre l'absorbe. Et là, bah, c'est la même, quoi. Faut que ça s'écoule. Faut que notre poison s'écoule. Ça poussera par le haut. Allez, hein. Évacuez-moi ça. Toi, tu peux fermer, tu peux garder cette eau contaminée, c'est pas très gênant. C'est pas tellement un problème. Je tirais ça par pur confort. Tout notre travail va être là, hein, sur ce coin-là. Je suis en train de me faire déjà des plans dans la tête, en train de me dire, mais attends, si là ça passe pas, faudra que je ferme définitivement, je fasse des hauteurs. Je fasse vraiment un mur, en fait, pour empêcher l'eau de venir s'écouler ici. Avec un mur là, tout le long, jusqu'à que ça accepte de venir s'écouler par là. Et que donc, il faudra également que je fasse un canal. Enfin, tout ça sera un canal fermé qui servira de réservoir à lui, là, pour qu'il se déverse dedans. Oh non, c'est fou. J'ai mal aux cheveux, hein. J'ai commencé à réfléchir, j'ai eu mal à la tête. Ah, oh, le bûcheron, quoi. Lui, là. Alvag. Avalg. Il a une volonté. T'as jamais vu ça. D'ailleurs, il a mérité sa retraite. Félicitations. Félicitations, tu es remplacé par un robot. Toi aussi, tu sers à rien. Tu deviens un robot également. Je crois qu'il y en a un qui pompait du fluide toxique. Toi, tu vas plus servir. Il va falloir que tu déménages. Tu es devenu obsolète, mon ami. C'est rigolo, ça. Il faudra me dynamiter ce truc-là, à l'occasion, ça me gêne. Voilà, on va prendre la place. Et notre pompiste, donc ici, il faudrait qu'il déménage. Évacuation des liquides, pompe à eau affectée. Je pourrais même bien dynamiter. Mais est-ce bien nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. On va supprimer ça. Et du coup, ça pourra sauter. Et en sautant, on va pouvoir blinder la côte à la place. Ouh, virez-moi ce monsieur-là. Pourquoi même vire-moi ça? Vire-moi ça. Et on va mettre du blindage de côte.
Blindage de côte, oui, non. Non, je vais pas reblinder la côte. Pour l'instant, je vais rien mettre. Parce qu'en fait, définitivement, ça, on va plus en avoir besoin. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que... Ah si, quand on a les débordements d'eau, si, si, faut qu'on blinde la côte. Ok, faut blinder la côte. Je me rappelle même plus de ce que je fais. Je sais plus qui je suis. Pourquoi est-ce que je fais ça, finalement? Quand même complètement clôturer la côte, hein. Ouais, je pense que c'est trop de caisse. De toute façon, là, on a toute cette partie-là qui va venir nous gêner. Pour l'instant, c'est trop de caisse. Et ce sera un job de robot, bien sûr. Boum! Ça y est, c'est bon, c'est officiel. On peut déverser de l'eau polluée. Enfin! Là, ça va commencer à se résorber normalement. Ça va s'écouler gentiment mais sûrement. Ah, mais on est déjà. Ok, on est déjà au top des problèmes. Donc, il faut qu'on blinde cette partie-là. Ouais, d'accord, ça répond à des tas de questions. Il faut qu'on blinde tout ça là. Voilà. Ne peut pas être atteint, ne peut pas être atteint. Tu peux être atteint, tu peux être atteint. C'est formidable. Atteignez déjà ce que vous pouvez atteindre. Faites déjà ce que vous pouvez faire. Ce sera bien. Ça, on peut le dynamite. Parfait. Ah bah oui, ça c'est parfait ça. Tac. Hop. On se met un 2. Voilà. Et comme ça, on a un petit peu de hauteur. Et on va pouvoir finir de blinder la côte. Et on aura la place, l'espace pour se déplacer, pour dynamiter. Et on pourra avoir une section entièrement dédiée au pompage de matières toxiques. En vrai, je blinde mes chipotes, hein. Avec mon blindage ici. Bon, ils ont que ça à faire. Contre, on n'a plus de médicaments, c'est un peu la crise. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de pissenlit. On n'a plus de pissenlit? Ah oui, parce qu'on en produit très très peu, je crois. Vraiment, juste... juste ici. Il n'y a qu'ici qu'on en produit. Alors, ce petit carré là, qui est normalement suffisant quand on n'empoisonne pas 100% de sa population d'un coup. Évidemment. Normalement, c'est suffisant. Donc si vous aussi vous voulez empoisonner votre population, bah sachez que c'est pas bien. Voilà. Si jamais vous posez la question. J'ai envie de refaire un chemin pour couper ce champ. De toute façon, je crois qu'ils peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ah si, ils peuvent aller plus loin. Ah, c'est les dynamiteurs qui vont pas... Voilà ça, qui font... qui vont pas au bout des choses. On a trois robots qui ne font rien. J'ai mis des robots castors, ah là. Bref, ils se reproduisent eux-mêmes, ça c'est... Ils se produisent eux-mêmes, ils se reproduisent... Oh, je pourrais les mettre à la science aussi. Non, c'est trop. C'est trop de pouvoir. Bah celui-là, il sert plus à grand-chose. Ouais, oh, il servira à l'occasion. Hop, on met un robot ici. C'est un robot maintenant. Ouais, oh, ici, pour le plaisir, on peut toujours se rajouter... deux cuves de fuel. Ça, on a ce qu'il faut.
Oui, j'allais rajouter de l'eau, mais je me suis dit, bon, est-ce que d'avoir. Waouh! D'ailleurs, l'eau, on risque pas d'avoir un problème avec nos réserves d'eau. Là, dans les plus brefs délais, faut pomper les gars. Hein. Oh. Oh, on va me faire quelques heures sup, hein. On va me remplir ces cuves, hein. Ah oui, ici c'est que de l'eau contaminée, donc pour l'instant c'est chaos, c'est nul. Rien à porter. Ah oui. Bah pour l'instant, oui. Ouais, ce serait intelligent de se remettre des pompes. Mais des pompes qui nous arrangent bien, pas des pompes qui nous arrangent mal. On aurait bien vu mettre un petit pompiste. Oh, j'ai tellement envie de mettre juste un pompiste là. Genre le pompiste qui travaille si loin. Mais vraiment le. Ah oui, non, mais là c'est un gros pompiste. Juste un petit pompiste. Le gars il est tout seul. Il est dans son coin. Pompe sa petite flotte. Tranquille. Au calme. C'est vraiment. Juste j'avais envie de le poser là. Ça vraiment ça sert à rien. Clairement. Mais je le trouvais très beau ici. Une grosse méga pompe. Bah ici ça peut complètement se faire. Juste que je fasse deux trous là. Bam 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 mi bam bam. Regardez-moi ça. Bon, déjà on peut se mettre un petit tonal ici à flotte. Ça mange pas de pain. Je vois que mes réserves de bois commencent à être basses aussi. Enfin, pas de bois, mais de sirop d'érable, tout ça. Ah, bah oui, mais non, c'est normal. C'est parfaitement normal. Je peux en stocker 450, j'en ai pas une en réserve. Ah, d'accord. Ça, c'est marrant, ça. Ceci dit, je crois que je m'en sers pour faire des explosifs. En parlant d'explosifs. Je ferais pas juste un méga trou ici. Puis c'est tout. Je fais un super trou. La quantité d'eau commence à remonter. Ça, c'est pas mal. La nourriture, c'est pas glorieux. Hein. C'est pour ça qu'on avait refait des champs, mais bon. On a quand même ce qu'il faut. Enfin, c'est les produits de luxe qui manquent. Quoi. La base est là. On a de quoi nourrir des gens. C'est le plus important. Oui, vous possédez déjà tous les cercles de production qui vous permettent d'exister. C'est vraiment. C'est vraiment incroyable. Et maintenant, vous avez. Ah oui, la fabrique du. Du bois magique. Le fameux bois magique. Ils ont l'air débordés. Je pourrais peut-être aussi commencer à me dire ce poste est un poste à castor mécanique. D'ailleurs, le castor en retraite là-bas, c'est un castor mécanique. Il peut bosser jour et nuit, il n'y a pas d'embrouille. Ok, bon, l'eau c'est pas la gloire. Hein. L'eau c'est compliqué. Est-ce que je devrais pas ajouter une autre pompe comme celle-ci? Ça se fait en vrai. Hein. Là, je me claque une petite pompe en plus. Je veux dire. Ah c'est ça, c'est du 3x3.
Et dessous, dessus, pas dessous, dessus on se met une méga grosse pompe. Voilà. Boum. Ça va pomper, on sera bien. Impeccable. Il ne reste plus qu'à augmenter le nombre indécent d'usines. Parce que c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Ouais, 90%. Bon, en même temps, là, ça tourne bien. Les flammes de l'industrie se font plaisir. Là. D'ailleurs... Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai l'impression de me priver d'un truc. Bah, privons-nous de ce truc. Ça m'intéresse pas en fait d'en ajouter par là. Parce que je vais en ajouter évidemment sur tout ce côté là. Donc je vois que ça m'intéresse. Alors je sais qu'ici on est un peu haut. Mais bon, nous verrons bien. Après j'aurais pu trouver aussi. Non, on va pas faire ça. On va peut-être placer justement plutôt de l'industrie par ici. Sur la partie haute. Et du coup sur la partie basse on placera des... Mais de toute façon je me pose la question pour rien. Puisque j'ai déjà placé ce qu'il fallait. Pour nous permettre de travailler. Ah oui. Eh oui, c'est du génie. Si, je suis en train de mettre ça par-dessus, je suis pas sûr de l'utilité du projet. Ce qui est sûr, je pense, c'est que je vais me glisser hop, un petit escape par là tant que j'y suis. Et que donc, je vais pouvoir... tac, rouage. Ah oui, mais non. Le gars réfléchit pas. Je sens que je suis un peu fatigué. Hein. Voilà. Là, tout de suite, c'est mieux, quoi. Impeccable. Voilà. Il n'y a pas de perte. Alors, par contre, il y a des choses qu'il faut construire en dernier et d'autres en premier. Genre, ça, c'est en premier. Ça, ça reste moyen. Et puis ça, c'est bof. Ça, les gars, c'est bof. Hein. Ça, c'est en dernier. Hein. Voilà. Bon, je crois que vous êtes déjà très, très occupé avec votre histoire de dynamite, là, un peu partout. Il n'y a même plus de dynamite. Ils ont oublié l'histoire de la dynamite. Ils en ont plus posé, c'est terminé. Ils ont oublié la dynamite. Ils en ont posé nulle part. Ils s'en foutent. Ça, ils ont décroché complètement. C'est fini. Là je les vois hein. Là tout ce qui les intéresse c'est boire de l'eau. C'est tout. Ah 1002 hein. Putain, on a du mal à remonter hein. Bon après on a rajouté deux pompes. Ça va, enfin rajouter deux pompes. C'est pas encore hein. C'est pas encore mais c'est bientôt. Ah, c'est elle, la cuve du désespoir, d'accord. Quelle c'est la cuve du désespoir? C'est la cuve de l'autre bout du monde. C'est-à-dire que là, le jeu me dit, il reste 1200 litres d'eau. Cette cuve fait 1200 litres. Il ne reste donc plus que de l'eau que dans cette cuve. Les gens, ils sont obligés d'aller au bout du monde pour boire un verre. Dur. Dur, mais c'est des choses qui arrivent. Franchement, vous pouvez le faire. Sans vous inquiétez pas, bientôt la machine vous remplacera. Bientôt la machine se substituera à vous.
et vous n'aurez alors plus besoin de travailler, et vous aurez tout le temps d'aller chercher à boire. $0,33 par heure. Et là, si je mets des monstres de fer, ça va beaucoup moins vite, je crois. Ah si. En plus de produire 24-24. Non, c'est impressionnant. C'est trop bien. Bien joué, les gars. C'est exactement ce que nous souhaitons. Je sais pas trop quoi faire de cet endroit. Je crois que je vais rien en faire, à part juste caler une cuve au calme. Peut-être se mettre un castor pour le fun, bien sûr. Et on a toujours la place pour un castor. Oh tiens, qui te regarde en train de prendre ton bain de boue et qui te juge pendant que t'es pas en train de travailler. Et que tu regardes ta civilisation décadente accepter de se faire remplacer. Médicaments, on a pris si cher. Bloqué par l'eau infecté. Castor contaminé, encore un. Néanmoins, ce sera de l'eau. Hein. Trois médicaments, ça commence à remonter. Hein. On sent qu'il n'y a plus qu'un castor malade. Ça revient un peu. Hein. Ils ont tout abandonné. Il n'y a plus un explosif en réserve. Hein. Il n'y a rien du tout, mais il n'y a rien de posé. Il faut redonner des priorités, là. Ça, c'est prioritaire. Ça aussi. J'ai déjà mis la priorité là-dessus, ils sont même pas allés. De toute façon, on n'a pas de quoi les produire. Où on produit des explosifs? Où est-ce qu'on produit des explosifs? Je regarde des têtes que ça. C'est lui l'explosif? Ah ouais. Tu n'as pas tous les matériaux. Ah oui, on n'a plus de matériaux radioactifs. Ok, c'est ce qui explique la dèche en explosif. Ok, il faut qu'on pompe de la matière radioactive et on a plus qu'une pompe ici. Qui du coup est HS et ne fonctionne pas actuellement, évidemment. Et ouais, bah oui, évidemment. Ah. Et donc là, on dit qu'il faudrait que j'aie des eaux radioactives. J'ai tout fermé. Très bien. Et bien, allons-y. Et ça repart pour les flammes de l'industrie. Tu vas pouvoir pomper de l'eau toxique, mon gars. Voilà. Faites-moi de la dynamite. Parce que c'est quand même dommage. Normalement, l'objectif, c'est de plus polluer ces terres-là. Tout du moins pour l'instant. Et oui, d'ailleurs, je me serais pas oublié un barrage, moi, comme un gros couillon. Bah, c'est complètement ça, en fait. J'ai oublié de condamner cet espace. J'ai oublié de condamner cet espace. Mais quel débile. Mais c'est impressionnant d'être aussi con. C'était prévu. C'est pour ça que je voulais pas mettre de roue à cet endroit là. J'avais pensé à tout. Du coup, ça sera pollué. Mais que jusqu'ici. Putain, vraiment. Oh putain, y'a vraiment rien qui va. Pour en mettre des industries ici. Hein. On va juste couvrir de planches, on verra rien.
On saura même plus ce qui passe dessous, on saura même plus si c'est pollué ou pas. Sont après tout de l'eau, c'est de l'eau, non? Matière radioactive, ça remonte, hein. Ça par contre on en pompe, hein. Ça c'est pas comme l'eau, il n'y a pas de problème, hein. Je parle de l'eau propre, hein, bien sûr. Par contre l'eau ça monte, donc ça veut dire qu'ils ont fini l'eau de pompe. Ils ont fini l'autre pompe, par contre ça ils l'ont jamais fini, pourquoi? Ah oui, parce qu'on peut pas l'atteindre, bah oui, évidemment. Gros malin. Et j'avais prévu qu'on l'atteigne en, je suppose, en faisant des trucs obscurs, genre, très probablement un truc comme ça, avec un truc comme ça, avec un virage, un truc comme ça. Hein ? Je peux pas à cause de, ah, la ventilation. La ventilation m'empêche de m'exprimer. Et donc, à partir de là, quoi. Non. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez l'atteindre. Toujours radioactif ici, hein. Ah, ouais. Ouais, il y a un peu de miasme, ouais. Effectivement. Maintenant que vous le dites, c'est vraiment parce que vous avez souligné la question, je pense. Sinon, on s'en serait pas spécialement aperçu. Est-ce que moi, de mon côté, j'aimerais pas envoyer beaucoup plus de probes, parce que j'ai rien là, hein. Tête de robot en réserve, j'ai un torse de robot en réserve, 5 bras. J'ai rien du tout puisque je suis en train de produire, donc il me faut à chaque fois 2 têtes de châssis, j'ai rien du tout. Il nous faut beaucoup plus de capacité de transformation des machines. Des usines à composants, par exemple. Voilà. Donc là, on peut se mettre évidemment une cuve pour l'eau. Non. Un petit dépôt. Ah non, ils veulent pas. Ah oui, parce qu'il aurait fallu que je construise sur le... Ah oui, bah je suis couillon. Et ben là... je crois qu'une lanterne, ça passe pas non plus. Si, pas une lanterne. Pour rappeler qu'il y a quand même quelqu'un ici. Qui sera de toute façon un robot. Certes. Mais quand même. Donc ici, on va faire du châssis, ici, on va faire de la tête de botte, et par là-bas, on fera des bras. Allez, let's go, ça part. De toute façon, là, j'ai juste rajouté ça, mais on est en mode, c'est bien, c'est cool, c'est fini, mais non. Non, faut travailler plus dur que ça, mes gars, hein. Voilà. Et puis là, bah, je veux des châssis. Là, je voudrais genre des têtes. Non, des bras, vas-y, des bras. Et là, hop, des têtes. Voilà. Voilà. Et j'ai encore tout cet espace du dessus pour alimenter d'autres usines. Bottes. Ah, j'ai déjà programmé des bottes ici. Ici, ok, j'ai déjà un bot qui bosse. Ok, 2 bottes. Ok, 3 bottes. Ouais, j'ai pas assez de bottes en rap pour l'instant, donc ce sera ça. C'est validé. Ici sera des castors normaux. Et bah let's go au boulot dès que vous pouvez. Dès que vous pouvez assembler un droïde supplémentaire, assembler le droïde. Voilà. Voilà, ça part. Ah oui, c'est son stockage total. Il lui faut 4 bras. Ouais, mais je crois que les bras, c'est fabriqué vite. 4,5 heures, ouais, 18 heures, c'est ça. Les bras, ça va vite. Ça va littéralement 4 fois plus vite. C'est ça.
Même beaucoup plus que ça. Parce que du coup, 9... Ah ben non, bah 9, non, non, on a fait 9, 18. On est bon. Excellent. Lequel sera fini en premier? Tant de matériaux, c'est lui. Il sera occupé par une machine, bien évidemment. Cela va de soi. En termes d'explosifs, on se régale. Bon bah du coup j'ai fait placer ça, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse tout de suite beaucoup. Ça, c'est ok. On dynamite. C'est parfait. J'espère qu'on produit de la dynamite jour et nuit. Hein. Oui, on produit de la dynamite jour et nuit, bien sûr. Ça va de soi. on a retrouvé une réserve d'eau que je qualifierais de confortable. Et j'allais réduire le nombre d'heures de travail dans une journée. Bon, je la réduis juste d'une. Parce que malheureusement, il va falloir pomper de la flotte. Il va falloir continuer à alimenter les flammes de l'industrie. Bon, bah c'est bien, on va finir sur une sécheresse. Ça, au moins, c'est pratique. Il me reste encore un robot libre. C'est quoi le prochain, c'est terminé? T'as l'air d'être toi, là. 5, 25, 15... Ah ouais. Ouais, ouais, ils ont opté pour toi. Tu seras donc, bien évidemment, une machine. Ça me produit un robot. Là, on a 20% de production du robot. 54%, ok. On aura deux robots d'ici la sécheresse. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. Voilà, c'est le truc qui m'embête un peu, c'est que vous êtes en train de liquider toutes nos ressources là-dedans, mais bon, pourquoi pas, admettons. Manque de matériaux, et ben on a plus de... nous n'avons plus de bois. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai mis une priorité assez élevée sur eux. Il manque juste les explosifs, les extraits, on les a. On a les extraits, oh on a pas mal d'extraits de toute façon. Ces extraits qui sont fabriqués à partir de la matière radioactive infectée. Ok. J'ai envie de dire ce sera une machine hein. Quand ça pourrait être une machine bien sûr. On va récupérer un robot là non? Ah on a failli récupérer un robot. Mais il ne travaille pas de nuit. Du coup les robots sont en train de compenser le retard. En plus ils mettent le même temps. Du coup ça a vraiment juste aucun intérêt de garder des castors en fait. En fait, après le projet, c'est qu'avec mes... C'est dommage que... Alors, je sais pas s'il y a un... S'il y a un succès caché pour ça, mais ça aurait été trop bien d'avoir ensuite une civilisation qui... un succès qui te dit, genre, je sais pas, Skynet a gagné, et en fait, à la fin, tu tues tous tes castors, il reste plus que les machines qui vivent entre machines, qui ont remplacé tous tes castors. Ce serait un peu rigolo. Alors, 60%, 74%. Ouais, bon, pour l'instant, ce seront des vrais castors. De toute façon, vous, là, dès que vous atteignez 100%, vous serez remplacé, hein, parce que vous êtes devenu inutile, vous êtes obsolète. Si, je peux juste faire ça en fait. Tiens, ce seront des robots. Voilà. Ça, eux, ils gardent leur job. Ils sont pas encore parfaitement obsolètes. Ah, ils vont l'être là. Ah, ils vont arrêter le travail. À 100%, ils arrivent à le produire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fait.
Ça c'est bien fait. Ah, ils continuent le travail. Ils veulent garder leur job, ils veulent avoir un avenir. C'est mignon. Ouais, bah ils vont être remplacés, hein, malheureusement. Ils vont atteindre 100%. Voilà. Tous les jobs sont occupés actuellement. Tous les jobs de robots, tout du moins, sont occupés. Ça, c'est bon. Hop, on va éventrer ça. Boum, 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 boum. Ça, c'est fait. Bon, à l'occasion, si vous pouvez me trouver une petite dynamite, là, les gars, j'ai de faire. C'est juste un explosif, quoi. C'est vraiment pas deux, pas trois, c'est un. Un, ça se trouve, en vrai. Tout ça, c'est toujours atteignable, hein. Tout le monde peut atteindre tous les explosifs partout. Ok, parfait. Ok. Très joli. D'ailleurs, ça serait bien que je commence à me dire... on a remonté notre blé. Ça, c'est bien. Bon, les jaunes et les marrons, tout ça, ça a pris une claque monstrueuse, évidemment. Ça a pris la gifle du siècle, hein. Ça pouvait pas se passer autrement. Mais ça, on fait du carburant avec, hein. Donc si jamais il vous prend l'envie, va pas me faire un 6 mais par 7. Et alors attendez, parce que je crois qu'on a un truc spécial en agriculture chez nous là, qui s'appelle des machins là, comme ça. Oh, je pourrais même en coller un là. Et je rajouterai deux bandes. Allez, je rajoute deux bandes. De biocarburant. Hop. On est pas mal. Par contre, ici, je crois qu'on est juste trop petit. Ah oui, on pourra pas le savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, il fallait 7. Il fallait une bande de 7. C'est perdu. C'est gâché. Par contre ici peut-être pas, de ce côté là. Ouais, je vais me retrouver avec des trucs dans l'eau, mais c'est pas très grave. Ici aussi on aurait pu se le faire. Un, deux, trois, quatre, une, deux, trois, là. On arrache celui-là. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. Et on arracherait ici. On peut pas. Donc ce que je propose, c'est justement de prendre le créneau qu'on a maintenant. Alors attendez, il faut que je mette pause parce que on va perdre de la matière première. Il faudrait que j'arrache celui-ci. Je vais faire ça, je vais arracher celui-là. Et je vais mettre tout de suite donc celle-ci ici. Et celle-là, je peux pas la placer pour l'instant. Ça, je peux pas fermer. Toi, t'es fermé. Bon, bah, y a rien de plus à ajouter, les gars. Hein. C'est fermé, hein. Donc, ici, je peux pas fermer. Donc, ça finira de s'écouler comme ça doit s'écouler. Puis, c'est tout, hein. Lui, c'est déjà fermé. Ah, ça continue de s'écouler un tout petit peu. Ah oui, parce que les pompes envoient. Les pompes envoient de la flotte. Bah, l'industrie va se retrouver au zéro absolu. Allez. Et là, donc, j'ai fait ma trouée. Oh. Voilà. Très joli. Augmenter un petit peu votre niveau. Tac.
toi, il n'y a pas d'urgence immédiate, c'est plus esthétique, mais c'est juste pour l'esthétisme. Mais ça compte du coup. Et bah non, bah, si j'ai toujours envie de. Hein, j'ai envie de boum, mais non, il faut pas. Et ouais, il faut pas. Dans le doute ici, je me demande si je devrais pas, pour le plaisir d'offrir, parce qu'on peut, finalement, ce diggy diggy hall. Hein. I am a dwarf. Hein. And I dig in the hall. Hein. Voilà. Juste, je me mets ça là, au cas où. J'aimerais, genre là par exemple, quand l'eau elle est morte, au moins ça me permet de continuer à pomper. Je me dis ça. Voilà, pour le fun. Pour l'instant, on va mettre ça tout en bas. C'est à l'occasion. Ah là, c'est l'arrêt complet. Hein. Est-ce que c'est le moment où les machines deviennent obsolètes subitement? Parce que là, hein, le jour où il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'eau. Quelle que soit l'eau, hein, qu'elle soit polluée ou pas. Ah, un petit peu de vent. Les flammes de l'industrie reprennent instantanément. Sauf qu'il y a des robots qui campent sur place, ça reprend tout de suite le travail. Il n'y a pas de perte. Il n'y a aucune perte. Aucune. Non, ça c'est juste pour le faire gentiment, parce qu'on peut le faire. On peut le faire et en plus de ça, je peux faire un grand trou ici. Une grande trouade. Ce qui vous permettrait de faire descendre cette réserve d'énergie beaucoup plus bas. Enfin, une très grande trouée ici. Très rigolo. Est-ce que d'ailleurs j'aurais pas dû en faire une petite avant d'en faire une grande? Moi je pense que oui. Hein. Je vais même en faire une intermédiaire avant d'en faire une grande. Voilà. On est au max en flotte. Parce qu'on peut continuer à pomper. Et donc, pour l'instant, vu qu'on peut continuer à pomper, on est pas mal. Le problème, c'est que... Ah, ça va, il y a que 3... Il reste que 4... que 3 jours sur 4. Oh, ça va, ça se fait, hein. Pour l'instant, au calme. Hein. Profondeur 4. Allez, donc on est déjà à 4. 1, 2, 3, 4. On est déjà au max, ça sert à rien que je fasse un trou pour avoir de l'eau. C'est vrai que je m'étais posé la question. Je m'en rappelle. Par contre... Par contre, un vrai truc que je pourrais faire, bah c'est juste un petit barrage pour retenir un peu plus de fond d'eau et en fait d'avoir un niveau d'eau ici un peu plus élevé que ce que j'ai habituellement. Ça permettrait d'encaisser plus aisément les... Le problème c'est que ça m'embête parce que il y a ça, donc du coup je peux pas trop le faire. Ou alors... Mais là c'est culotté hein, si je fais ça. Ou alors je fais un haut barrage fermé juste ici, vraiment le... Genre le... barrage comme ça quoi, enfin pas forcément non plus l'ultime comme ça. Oh, la grande taille. C'est un peu trop grand, noterai. C'est trop grand, c'est trop grand. C'est vite dit quand même. C'est quand même vite dit. Hein. Non mais... c'est vrai que si on inonde après la vallée pour... non pas pour l'énergie mais pour... Qu'est-ce qu'il... Comment j'arrive à avoir encore de la mécanique là? Pourquoi ça tourne? Pourquoi ça... C'est magique. Ah, ok, c'est lui qui descend. C'est lui qui est en train de produire de l'électricité pour tout le monde. C'est beau. C'est beau ce qu'il fait. Je pourrais choisir d'avoir un niveau d'eau très élevé. Voilà. Et donc je vais évidemment faire ce choix. Comment je ramène des gens par là par contre? Alors là... Il aurait peut-être fallu que je me pose la question en amont.
Est-ce que je vais encore reconstruire pour la énième fois cette route? C'est pas impossible. La réponse, c'est que c'est pas impossible. Mais je peux aussi faire venir une d'ici. On sera plus proche du centre-ville. Bon, c'est pas tellement là-dessus que tu vas gagner, qu'on va gagner, mais toujours ça de prix. Voilà. Et voilà, on est bon. On n'a plus un bout de bois, hein. C'est... Les eaux contaminées, elles ont coûté cher. Pourtant, là, il y a du bois, les gars, hein, donc... je sais pas, hein, couper, hein, sinon je mets des machines à la place. Elles seront plus performantes. Hein. Bon, ici, on va garder le quartier des castors. C'est la zone la moins polluée, on va peut-être la garder un peu, quoi. Alors qu'ici, non. On a deux castors. Voilà, de nouveau, seules les machines fabriquent des machines. De nouveau. 63 chômeurs. Là, il y a un tiers de la population en gros au chômage, quoi. De la population active. Et on a déjà donc un quart de cette population qui a été remplacée par des machines. Ouais, parce qu'on a 58... d'ailleurs, tiens, regarde. Hop là. 59 machines, donc 59 emplois occupés par des machines contre 64... ah, 63, il y a eu un petit décès, 62... bref, une soixantaine. Donc 100% des emplois qui sont pas occupés, c'est... 100% des chômeurs, ils sont au chômage à cause des machines. Et vraiment, c'est genre évident. C'est... Genre là, on a quand même une différence de deux castors près. Hein. C'est vraiment... On y est, quoi, c'est... Boum. Irriguons les terres. Voilà. J'aurais presque envie de me faire un petit bassin là en vrai. Hein. Pour séparer la zone indus des champs. Parce que de toute façon ils iront pas éternellement super loin. Là je suis en train de rajouter de la route donc ça me rallonge ma zone. La zone sur laquelle je peux travailler. Mais ça va pas être éternel quoi. Donc je me dis un petit réservoir d'eau là. Naturel hein. Profond, creuser la TNT. Je me dis ça peut être pas mal. Je me dis qu'il y a un charme. Nous n'avons pas les matériaux. Pourquoi nous ne produisons plus d'explosifs? Nous n'avons plus. Ah oui, on a même plus. Oh là là. Ah oui, ça les consomme quand même par 5. Hein. Wow. En fait, t'as tellement besoin des eaux toxiques maintenant. Les eaux infectieuses. Les castors ont dégommé toutes les cartes. Putain, moi qui avais un stock de cartes. Laisse tomber, j'avais abandonné tellement j'en avais. Ils ont tout bouffé. On produit plus assez de papier. Ah, c'est devenu critique. C'est devenu critique. Il va falloir se remettre à produire du papier. Ça va être nécessaire. Ici, j'ai fait la jonction, mais en vrai... Pas sûr qu'on était obligé. Voilà. Je vais l'économiser pour peut-être poser des industries ici. Même si je pense que ça. Oh. Bon, voilà. Parfait. Même si je pense que je vais plutôt les caler par là, hein, mes indus. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, très joli. Très joli. Et en fait ici, bah, on va se construire une zone, hein, avec pas de bois, parce que du coup, putain, je nous ai ruiné en bois. Hein. Je devrais presque... En fait là, juste que je fasse un épisode en plus,
Juste le temps d'avoir les ressources pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. C'est tout. Il nous faut les flammes de l'industrie du papier. Bien sûr. Il nous en faudrait deux, je vous prie. Et bah, va nous falloir de la carte à puce. Hein. Les autres devis sont revenus. Il me faut de la carte, le livre. Livre, on n'en a pas non plus. Hein. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, parce que je pense que c'est surtout le papier qui manque. Ah, le papier n'est pas produit par les machines. C'est pour ça que c'est si peu efficace. Tu es viré. Prends ta retraite. C'est comme ça qu'on te le vendra au début. Bref. Voilà, voilà. Les eaux de vie sont reviendues. Ça, c'est formidable. Eh ben, let's go. Hein. Dès qu'on a une goutte d'eau, hein, n'hésitez pas à vous me l'envoyer. Hein. On va mettre ça, hein, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est très loin, ce truc, hein. Ça, un jour, ça va devenir... Vraiment, c'est le pauvre travailleur qui est obligé d'aller très loin pour trouver du travail. C'est terrible pour lui. C'est terrible. Eh bien... Va falloir faire tourner cet épisode. Hein. Va falloir que je le laisse tourner, hein, parce que là, c'est pas possible en l'état. Là, on est embêté, hein. Joe le pompiste là. Qui vit sa thug life de robot. Ok, l'eau est reviendue. Ok, parfait. Si j'ai gardé fermé. Normalement, ça ne devrait pas déborder. On va avoir des petits effets de débord. Mais normalement, ça devrait tenir. Voilà, le temps que ça comprenne qu'il faut que ça fasse un reflux, un flux et un reflux. Ça devrait se tenir. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bien, ça part. Ça fait plaisir. Les arbres, tout le monde a l'air de l'avoir bien vécu. C'est la danse des castors. C'était la danse des castors. Et ici, ça burn baby burn. Ah, il est ressorti, elle est sous le bâtiment. En eau, on est très bien. La sécheresse n'a eu aucun impact. Alors, aucun. On a ignoré l'existence de ce problème, quoi. Ah, mais on n'a plus de bois et c'est un ensemble de problématiques. Bois qui est devenu évidemment une denrée très très rare. Putain, pourtant on en a du bois, c'est quand même con. Pourquoi ça meurt bientôt? Pourquoi ça meurt? Mais attendez, il y a de l'eau ici, pourquoi ça meurt? Ah non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Comment ça? C'est une vue de l'esprit ou c'est comment? Ah non, non, c'est il y a une petite feinte là. Allez, hop, hop, blop. Allez, fais déborder un peu là. Donne à boire un peu. Hein. Voilà, file une petite goulée là. Histoire que ça se remette à pousser gentiment. C'est quoi même toi? Regarde, hop, redescends. Avale un peu de l'eau là qui traîne. Bon, il n'y a pas. C'est toujours un problème. Vas-y, remets une goulée. Goulou. Allez. Allez, faut que ça boive. Hein. Oh, ça boit pas. Hein. Ok, à deux, ça coule. Deux, il se passe des choses. On va le maintenir à deux. Ok, ça reprend des couleurs. C'est bien.
Parfait. Impeccable. Donc tout ça ce sont des érables. Ok, ça va être récolté. Faut aller plus vite mon gars. Hein. Ok. Allez, faut couper mon gars, faut couper. Faut couper parce que je rappelle qu'à n'importe quel moment je peux rajouter un bûcheron. D'ailleurs, je devrais peut-être le temps de tanker un peu, peut-être nous rajouter temporairement un mec avec un métier juste ici là. Ah, mais t'es inefficace parce que tu es encore un castor. C'est pour ça. Vous êtes si peu efficace. Mais vous resterez un quartier humain pour l'instant. Enfin, vivant. Je ne vous condamne pas à être des machines. Qu'est-ce qui... Quoi? Pourquoi? Ouais, il y a un demi là, ça pousse là. Il y a de l'eau mon gars. Ah. Ils ont fini ce truc. J'avais oublié. J'avais oublié son existence, désolé. Voilà. Voilà, on a retrouvé une industrie florissante. Ça pousse. Voilà. Et ici, c'est juste par curiosité que j'ai envie de la mettre à 0,5. Et on ne peut pas l'atteindre parce que... Voilà. Parce que ils aiment pas les atteindre avec des escaliers en travers. Donc c'est très très chiant ça. J'aimerais que vous fassiez ça, mais genre en urgence quoi. Je sais, on n'a pas de bois, blabla, les excuses classiques. Hein. Alors, faut dire, la forêt de chêne a pris si cher pendant si longtemps. On n'est pas près de la revoir. Hein. Ah, excellent. Créons une nouvelle vague de chômeurs. Ça me paraît important. Il reste 3 de ferraille. Hein. C'est bientôt le chômage. 6. Hein. Enfin non, 7 de ferraille, excuse-moi. C'est bientôt un drame. Et j'oblige les castors qui, à subir ce métier horrible du mineur. Vraiment, je les fais descendre, souffrir dans les profondeurs. C'est cruel. Les machines ne produisent plus de machines. Mais il y a de l'eau, les gars. Qu'est-ce que j'ai raté? 0 0,5. Oui, si c'est arrêté. 0. Ok, ok. 0 si tu veux. Vas-y, cool, cool, cool. Reste cool, ma main, hein. Vas-y, hein, on voit. Hein. Toi, plaisir, hein. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un castor qui dort carrément par terre, là. Son mode de vie a été dégradé à l'extrême. Bon, ouais, on va remettre une vie un peu plus paisible à nos castors, quand même. Je les ai fait cravacher comme des chiens. Pour rien, hein, les pauvres. Hein. Ils y sont pour rien. Hein. Le bois peut pas pousser plus vite. Il y a une chose qui est faisable, par contre. C'est... voilà. Vous remplacez par des machines, bien sûr. Comme ça, vous aurez de l'eau en permanence. Ah non, 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 j'avais accepté. J'ai dit c'est le quartier des êtres vivants et mortels, de la vie... c'est ici les pompistes machines. Ici on met des machines. Sauf que pour mettre des machines, il faudrait... En vrai, il faudrait que je te ferme toi et que je libère à nouveau les courants d'eau toxique parce que... Voilà. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut.
Voilà. Et là, on pourra à nouveau avoir de la toxicité. C'est beau. Je pourrais l'ouvrir, mais bon, eux iraient beaucoup moins vite, donc ça n'a pas d'intérêt de faire couler pour l'instant de ce côté-ci. Ok. Bon. Elle tourne ça? Ouais, ça tourne. Ah bah attends. Je m'embête pour rien, arrêtez tout. Donc, juste en supprimant l'escalier, ça a permis à ces gens de comprendre. On peut pas y mettre un castor. Non, ça dégoûte. Un arbre. C'est petit un arbre, ça passe normalement. Ah, un mac. Ce sera un hamac. À juger. À juger pendu pour le hamac. Oula, ça a l'air d'être la panne sèche dans bientôt là. Bon. Bah il va mieux. Mais j'ai plus de catalyseur? Ah, je ne produis pas assez de catalyseur. Ah oui, catalyseur, on est sec. Ok, donc faut du catalyseur. Faut doubler, tripler la quantité de catalyseur tout de suite, quoi. C'était dans quoi? C'est ça les productions, les raffineries, voilà. Les raffineries sont nos amis. Hop, le petit F là. Le petit F qu'on m'a expliqué. Hein. Il me faut du catalyseur. Catalyser. Je sais pas, on catalyse à partir de quoi, mais. De l'extrait et du sirop d'érable. Ah ouais! Donc il vous faut des forêts de sirop d'érable pour fonctionner. Hein. Il faut du grain. Ça, évidemment, ce sera contrôlé par des machines. Hein. Ça va de soi. Ça veut dire que les érables qui sont ici, mes petits potes, bah vous êtes pas assez nombreux. Alors vous êtes juste genre pas du tout assez nombreux. Ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute encore des arbres. Bah dis donc, on peut arriver. Hein. Ouais, on est limite, hein. Ça va. On va se faire ça. On va se rajouter. On va se rajouter une petite ligne. Des bouts de bois. De l'érable. On peut se rajouter tout ça aussi. Ça marche aussi. Je garde un espace ici, on sait jamais. Un petit entrepôt, puis la terre est très aride. Ça me facilite la vie de ne rien rajouter. Ou alors, inversement, je me rajoute un. Résine, pain, sirop d'érable. Je rajoute un petit gars comme ça, là. Avec 3-4 arbres autour. Voilà. On lui met des petits arbres autour, là. On lui met des marrons, là. C'est des marrons, ça? Prêt à être récolté en plus. Hop. Les récoltes des marrons, c'est une bannière là. Où est-ce qu'il est, qu'est cueilleur, pissenlit, bête, attaque, marron. Paf, on met ça là. Et puis derrière, bon, on se rajoute 3-4 bouts de bois de marronnier, quoi. C'est stylé. Voilà, ça fait propre. Ça fait propre et on a maintenant un gars en plus pour récupérer du sirop d'érable. On va lui mettre la priorité sur le sirop d'érable. D'ailleurs, on va mettre la priorité aux deux. Hein. Sur le sirop d'érable. Voilà. On vient de réduire le chômage. C'est beau. Et on a réduit le chômage que pour augmenter les flammes dans l'industrie. Hein. C'est juste pour ça. Hein. Vraiment. Vraiment, c'est...
Juste pour pouvoir alimenter les machines qu'on a fait ça, c'est vraiment le pire des investissements humains que tu puisses faire, quoi. Tu dis, alors on va créer un John dans la vraie nature, juste pour polluer plus d'industrie, plus de machines. Ok, on catalyse, ça catalyse. Ok. Est-ce qu'on se rajouterait pas des petites cuves ici aussi tant qu'on y est? Genre, je suis là, je passe par là. Tant qu'à faire, on se fait une cuve, deux cuves. Genre, ça serait genre de l'eau. Et genre, ou alors ça, ce serait une matière première. Genre, pas de l'eau. Voilà. Et là, du catalyseur. Là, comme ça, je sais, j'ai un stockage d'érable. Il faut qu'il soit plein. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Et lui là, lui il n'en peut plus. Lui va mourir. Lui à un moment donné, vu le territoire qu'on lui a filé à administrer, il va planter, il va nous lâcher, hein. Il va nous claquer dans les pattes. C'est vraiment ce qui va arriver à un moment donné. C'est quoi ces trucs là? Ok. Est-ce que ce serait pas un endroit merveilleux pour s'ajouter trois réserves de liquide, la petite route qui va bien, et vraiment pour le torturer lui jusqu'au bout, hein, je pense que là on arrive, on dit en fait, tout ça là, c'est des érables mec, courage, courage mec, j'espère que tu crois en Dieu très fort, parce que là t'en as besoin, j'espère d'ailleurs pour toi qu'il existe, parce que t'en as besoin. Et ta priorité, bien sûr, c'est les marrons. Alors que toi, ta priorité, ce n'est plus les marrons, ce sont les pissenlits, ta priorité. On aurait pu se faire ça aussi, hein. On aurait pu se mettre. T'as la portée, toi, pour aller chercher. Ah, il a la portée pour aller chercher. Tu sais que je peux pourrir ta vie encore plus, quoi. Genre, rajoute-moi, genre, juste là, des petits pissenlits en plus. Très joli. Du plus bel effet. Petit parc de pissenlits comme ça, vraiment ça donne envie. Hein. C'est sûr. Hein. Là-dedans, on stockera alors tout pour l'humanité, de l'eau. J'ai pas mis de l'eau là. J'ai mis du médoc, de l'eau et bon, du sirop d'érable parce qu'ils en consomment aussi. Hein, donc il nous faut du sirop d'érable. J'ai doublé la quantité d'érable. On va bien réussir à en faire quelque chose à un moment donné. Parce que là, sans catalyseur, c'est vraiment beaucoup d'investissements perdus. C'est énormément d'argent gaspillé. Pas garder ça comme ça, quoi. Ok. Ça, c'est bon. C'est rigolo. Ils ont commencé par poser là. Ça me fait plaisir. J'avais envie d'exploser un truc. C'était là. Ça sautait. Des bâtisseurs, des constructeurs, c'est magnifique. Mais ça, c'est des jobs qui doivent être voilà, occupés par des castors, par des machines. Il nous reste donc 5 machines disponibles. Excellent, ça. Maintenant, vous arrêterez de lire des chiffres et des lettres. Maintenant, ce ne seront uniquement que des chiffres en brique là, quand c'est en relief, bon là je pense en relief perforé plus comme un dé que les cahiers qu'on fait pour les aveugles. Putain, je me rappelle, j'ai plus le nom. Je sais pas pourquoi j'ai e-brique en tête, mais c'est clairement pas ça, je crois. Pas que je sache. Pas que je sache. Des machines. Des machines. Des machines. Des machines. Un humain, des êtres vivants. Tirez-moi ça de ce quartier. Mettez plutôt des machines. Ah ouais, on a quand même un grand. Ouais, on a quand même beaucoup de machines. Ouais, on a quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup de trucs là. Je pense que c'était le bois qui faisait défaut. Je vais descendre la priorisation de ces trucs-là. Là. Descends-moi tout ça. Ce n'est plus prioritaire du tout.
Parce que je pense que là, avec le retour du bois, on va revoir des livres apparaître. Voilà, on a deux cartes perforées en réserve. Et encore, elles vont être absorbées évidemment assez rapidement. Mais globalement, on va retrouver de la matière première. Donc en stock, on est en flux tendu. On est en flux tendu. En flux tendu, si on s'en rajoute un, 2, 3 attaques, on peut s'en rajouter un autre par là. 1, 2, 3. Ah oui, c'est toujours le problème de. On peut pas les caler comme ça. On peut pas bourrer comme un sac, c'est vrai. Ah oui, il faut que je rajoute une petite plateforme par là. Les décaler un peu. Ça fait un chemin pile au milieu là. Et après, je peux en remettre 3. Ok, c'est ça. Ça, c'est ça. Ok, je pense mon truc. Je pense espace, espacement, dynamique, ce genre de choses quoi. En marche quoi, avant tout. Qu'est-ce que je fous avec ça ici? Ah oui, oui, c'est normal. Ça pompe? Ça pompe hein Jean-Charles, hein. Déconne pas, hein. Pompe! Parce que je sais pas combien on peut stocker, mais j'ai l'impression qu'on stocke pas grand-chose. Hein. Je crois que j'avais mis un gros stock, mais... Alors, de mémoire, il n'était pas énorme, mais il y avait un stock. Et du coup, ici, c'est presque la question de est-ce que je poserais pas, genre, justement, des gros stocks, quoi. Vraiment. Des gros trucs, quoi. Ouais, mais les gros trucs, ça prend des places un peu bâtardes. Alors que les moins gros trucs. Regarde là. Hop, je te mets du produit. Hop, je te mets de la matière première. Je me fous pas de ta gueule. Clairement, je te donne ce qu'il faut pour travailler. On est bien quoi. On est bien, on est bon. J'ai récupéré un nouveau robot. Oui, on va continuer à chasser les humains de cette zone. Ah, bah, sauf la science. Oh, ce serait rigolo. Ce serait rigolo de les rejeter d'ici et de laisser les robots gérer la science. Déjà qu'ils gèrent tout, l'armement, tout. Ils gèrent déjà tous les mecs. Ah non, ils ne produisent pas leur propre rouage. Bah, faut que ça arrive, hein. Peut-être produire vos propres rouages, les mecs. Ils coupent pas encore leur bois, exactement. Voilà. Tout n'est pas parfait encore, hein, mais ils ont déjà la main mise sur beaucoup de choses, hein. 69 droïdes. Pourquoi il marque que j'en ai 69, puis là, il m'en marque 68. Ah, il y en a un qui est HS. Ok. Du coup, celui qui est HS, je sais pas, il va être réparé, il est mort. Il est remplacé. On peut voir l'état de ferraille HS, non? Parce que là, on voit que les jobs. Hein. Moi, je voulais voir le robot qui était HS. T'as mal à la tête. Les robots. Voilà, les Timberbots. Il y en avait un qui était HS, mais dans la liste on le voit pas, hein, celui qui est HS. Hein. Un sans emploi. Ok, maintenant c'est un sans emploi. Oui, il a été réparé. Très bien. Vous produisez vos propres rouages. C'est admis. C'est accepté, c'est acceptable. Voilà. Donc là, il reste plus que des scientifiques de ce côté de la frontière. Non, vraiment, là, tu vois, il y a une frontière là. Il y a une frontière de production. De l'autre côté de cette frontière, il n'y a plus que des robots. Il y a déjà un territoire qui a été perdu pacifiquement, officiellement, dans les mains des robots. C'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. Boum boum boum. Ok. J'avais oublié de faire boumer celui-là. Boum boum. Oh, c'est peut-être normal. Bon, ça fera joli. Ça fera un style. Ah oui, non, j'ai choisi de boomer comme ça et pas de faire un. On aurait pu, hein. J'aurais pu dire en fait tout ça c'est des doubles. Comme ça aplanit, ça fait un grand lac et la chute d'eau elle est juste là. Ça aurait pu. Ah, et maintenant que je me le dis, je me dis ça pourrait être pas mal même d'ailleurs. Ça serait rigolo. Et du coup. J'aurais forcément plus intéressant en termes de chute de venir là. Ouais, peut-être falloir.
Ok. Tac, ça ici. Tout ça là. Il y a des explosifs, hein. Venez les ramasser. Hein. Et j'aimerais que voilà, ceci soit prioritaire avec lui. Et idéalement, cela. Voilà. Après, je vous laisse un peu de marge. La machine. La machine qui prend le contrôle. Qui pose des explosifs en scred, il est tout seul. C'est le seul bot pour l'instant qui pose des explosifs. Il fait genre comme tout le monde. Oui, regardez, ils sont juste des explosifs. Gentiment. Le mec a rajouté gentiment, tu sais, au bout. Dans le doute. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez trouver des explosifs. Hein. Je suis convaincu. Hein. Par contre, je suis vraiment convaincu qu'on est en galère de papier. Hein. Parce qu'en fait, on a vraiment que deux usines qui produisent du papier. Et ça, c'est forcément un problème parce qu'on en consomme une quantité monstrueuse. Genre, ces quatre-là mangent du papier. Plus ces deux-là. Plus lui. Ah non, lui prend plus que des radioactifs. Il prend plus de papier. Avant, il prenait du papier. Donc j'ai 6 entrepôts qui... Enfin, 6 usines qui mangent du papier. Parce qu'il le mange là. Hein. C'est une feuille de papier. Ah, et lui, il mange du bois aussi avec. Bon, il mange des planches. Ok, super. D'ailleurs, planches. D'ailleurs, planches. J'ai même plus de planches non plus. C'est une blague? On a même plus de planches de base. Ah oui, on s'est pris... Ah oui, on s'est pris un strike. Hein. C'est pris un gros strike bien moche de... Waouh. On s'est fait dégommer nos ressources. Hein. On s'est fait détruire le bois. C'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça. Donc effectivement, il peut être intéressant de se dire que ça, c'est peut-être pas forcément nécessaire pour l'instant. Par contre, que ces deux-là, du coup, sont devenus un peu nécessaires. Mais je peux pas les laisser seuls. C'est-à-dire que avec ça, il faut que je me dise, ok, j'ai besoin d'eux, mais j'ai besoin de planches. Parce qu'on s'est fait strike nos planches, mais voilà, à n'importe quel moment, on peut se remettre à produire de la planche. Donc, produisons de la planche. Qui sont tous, bien sûr, des jobs de robots, hein, ça va de soi. Hein, tous des jobs de droïdes, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Et ils sont tous prioritaires. Hein. Tous, hein. Voilà, comme ça, là, on a un peu de place. On verra si on rajoute encore de la découpe de planches ou du papier. Enfin, on verra. On a un peu de place. J'aurais peut-être dû d'ailleurs les faire de l'autre côté parce que si je veux rajouter une grosse indus qui prend de la place, c'est ça, je suis dans la machine là. Ah, c'est un problème. Vas-y, j'inverse. Je vais me les remettre, mais de ce côté-là. De toute façon, on n'a plus rien. On n'a plus d'engrenage. On n'a plus rien. Il va falloir que je laisse tourner le jeu un peu... tout seul, hein. J'ai l'impression que... C'est la sécheresse, de nouveau, le retour. Eh bien, en vrai, elle tombe plutôt bien. Je crois que j'ai rien à ajouter...
Donc lui, je l'avais mis à 1, donc les bords sont bien hauts. Ah ouais, on est même inondé là. Attends, on est inondé. Ah oui, j'avais inondé. Ok, j'avais inondé la région. Bon bah, ça marche. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Oh, ça va. On produit de l'énergie un peu moins vite, mais bon. Mais au moins, on a du stock. Bon, par contre, j'ai peut-être été un peu chaud d'inonder comme ça. Surtout que j'ai pas de vrai évac. Bon, maintenant j'ai lui là pour évacuer. Ici, du coup, je sais même pas si ça avait été noyé ou pas. Ouais. Parce qu'on peut faire un effet de débordement, mais maîtrisé. Bon, par exemple, ça déborde, mais au bout d'un moment, on fait une tranchée là qui absorbe l'eau un peu. On pourrait, hein. Ouais, on pourrait faire ça. Et ça, c'est le truc, les gens ils viennent sur le job. Ok. Et j'ai mis la porte, je sais même plus où. Ah oui, de l'autre côté. J'avais dit que j'en avais rien à faire. Mais maintenant que j'ai des droïdes, ça pourrait être rigolo de l'exploiter. Le problème, c'est que je peux pas changer la direction de la porte. Donc, bah, va falloir dynamiter tout ça. Donc, c'est parti. Il faut péter ça. Il faudra péter ces deux-là. Et ça se demandait si j'aurais pas mieux fait de venir casser par ici. Parce que là, il va pas m'en falloir un, deux, il va m'en falloir un triple. Hein. Qui est, lui, inaccessible. On verra, on n'y est pas encore. Avec pour l'instant, on a des castors qui dansent, quoi. Avec leur lampe des vins. Incroyable. Ignorant le renversement qui est en train de se produire au niveau de la civilisation. On se prend une semaine de sécheresse là, je viens de voir. Je viens de voir là, vite fait, une semaine de sécheresse hein, quand même. Pourquoi pas. Ça va ralentir drastiquement les flammes de l'industrie. Ça va mettre un petit stop, hein. Ça va calmer du monde. Ouais, ça va calmer du monde. Hein. De toute façon, bon, il va falloir que je continue, je pense, en off, histoire de construire ce que déjà j'ai lancé en construction. Voir comment ça se goupille. Sécheresse, on sait, on le tiendra, c'est pas un problème. Même si, bon, bah, éventuellement, on est un peu sec à la fin. Gros jeu de mots. Voilà, j'ai pas mieux. Voilà. On blindera cette côte. Ouais, mais je suis con d'avoir mis ça là. Quel crétin, faut que je fasse sauter ça aussi. Ok, et il faudra que je fasse sauter en triplette, toi. En master triplette. Voilà. Voilà, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bah du coup, c'était pas le dernier épisode. C'était potentiellement l'avant-dernier. Je dis ça, je risque de refaire une cuve ici pour fermer. Bref, c'est la fin, quoi. C'est la fin, on arrive sur la fin. Peut-être peut-être que les Timberbots remplaceront bien sûr les véritables castors, hein, les véritables humains du jeu. Putain, on les a bien remplacés quand même. Hein. On n'a pas fait semblant. Hein. Alors ici, le bois de base, il n'est pas produit par des castors, pas par des robots, mais. On commence à pas être loin du projet. Hein. Là, je comprends pas. Là, c'est un problème d'acheminement ressources. Ah bah non, il y a du rondin, il y a du bois. Ah bah non, c'était juste la fin du travail. Et oui, évidemment. Ah, bah non, et en plus de ça, la fin de l'énergie. Ok, ok. Bon, bah franchement, je crois que voilà, hein, y a rien d'autre à ajouter. Hein. Y a rien d'autre à ajouter. Voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle, chez les Timberbots, la panne sèche. La panne. Parlez-en. Ce n'est pas un fléau. Hein. Vous pouvez en vivre. Et y survivre. Rien à porter. Attendez. Ah oui. Rien à porter. Ah! Fin de l'emploi. Terminados.
Et les castors qui continuent à plonger dans la mine. À la recherche du précieux métal qui leur permette de d'aller vers le chômage de masse. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment abject. Impossible, c'est en dessous de la carte. Ah merde. Celui-là ? Celui-là ? Non. On est au bout de la carte. Ok. Et bon, on va se remettre une pépon à flotte comme on l'avait prévu. Gentiment, là. Comme ça, là. Boum. Qui, elle, est gérée, bien entendu, par des robots. Et qui n'est pas prioritaire puisqu'on est en sécheresse, donc pas trop d'urgence. Vous êtes mignon, mais il n'y a pas trop d'urgence. On va se reprendre une goutte d'eau quand même. Parce qu'on a l'air d'être un peu bas ici. Hein. Oh, ça va. Ça va, ça va. On va pas se plaindre, ça va. Otep, ça va. Ok. Bon, bah, très bien. Dynamite. C'est de la bombe bébé. Ah, 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 ah. C'est ma dynamite, ça, je reconnais. Hein. Ah, il l'a même pas fait. Je déteste ce robot. C'est un castor humain qui vient après son service le faire. Non, incroyable. Ah, les robots sont devenus des fonctionnaires. Ah, le renversement arrive si vite. il faudra que je vois aussi quelque chose d'incroyable qu'il faut absolument que je vois avec vous là. C'est ça là. Les roues génératrices. Parce que si mes tas de ferrailles peuvent générer du courant électrique, ce qui a l'air d'être possible. Des castors sont autorisés. Ah non, il faut avoir des castors pour produire de l'électricité. Mais étant donné la masse de chômeurs que nous avons, on leur fera faire évidemment des jobs complètement débiles qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructifs pour eux, leur avenir ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Les flammes de l'industrie pour Skynet, c'est tout. Je vous remercie, c'était Knarfrank sur comme d'habitude Gaming pour Timberborn et je vous dis à la prochaine. Ciao.